Salut les petits potes. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V. Donc là, je vais changer de concept de vidéo. On va passer directement sur le gaming parce que bon, c'est vrai que de base, cette chaîne-là, c'était vraiment une chaîne gaming, c'était pas une chaîne tuto. Donc du coup, là, c'est bon. J'en ai marre. On va changer et on va faire que du gaming et de temps en temps des petits tutos. Mais bon, je préfère le gaming. Donc là, on va commencer, on va faire du farm, on va faire des ventes de véhicules, on va tout faire, tout ce qui est possible de faire sur GTA Online, on va le faire. Donc, bah, moi, j'espère que ces vidéos vont vous plaire et si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu ou à lâcher un petit commentaire ou carrément vous abonner à ma chaîne. Donc là, c'est bon, on est parti, hein. On va commencer à farmer des caisses directement, comme ça au moins. On sera riche sur GTA Online. Allez, c'est parti. Oh, les stores, vas-y, ça commence déjà. Ta gueule. Allez. Bam. Allez! Des fois, les PNJ, qu'est-ce qu'ils peuvent être cons, sans déconner. Allez, bam. Allez, bon, marchandise spéciale. Regardez tout ce que j'ai. En fait, là, le but, c'est que je vais tout remplir. Et ensuite, je vais tout vendre. Donc, ça me fera du. Normalement, un seul entrepôt, c'est 2 millions de. Attends, non. 2 millions 200 000, je crois. Donc, ouais, ça va faire du 11 millions en tout. Donc, là, vas-y, on va commencer à faire ça. Oh, des lingots. Putain, j'espère que c'est pas du 3 caisses. Parce que si c'est du 3 caisses, c'est la misère, ça. Putain. Allez, c'est parti. Ouais, je le sens mal le truc, mais bon, je vais prendre un buzzer d'attaque direct. Et par ailleurs, excusez-moi pour les bugs. Hein. Non, mais non. Buzzer d'attaque. Bam, allez, c'est parti. Et si vous m'entendez pas parler, c'est que je suis vraiment concentré. Ne vous inquiétez pas, on va faire les choses bien direct. Bam, allez, ça va être bon. Allez, c'est parti. La gueule. En espérant que je ne le fasse pas avoir, parce que d'habitude quand je me fais avoir, elle est tombée, je suis en train de rager tout seul comme un pauvre con devant mon écran, lol. Bon, qu'est-ce qui nous attend là? Je crois que c'est un camtar. Eh ben, attends. MMI, we expect the unexpected. I'll do my best. On va prendre la chauffe à roue. Bon allez, Jackie. Mais grave du con. Qu'est-ce qu'il est con, Penji de mort. Putain, la lumière a m'ébloui mon cœur. Oh,
Youhou! Merci, Tom. Oh là, j'ai mis le coup, moi. Allez, go, go, go. Oh putain, ils font quoi sur quelle fois ces putains de PNJ de mort? C'est pas celui-là. Ah, purée. D'accord, attends, il est où l'autre camtar? Eh ben, comme par hasard, il est sur les docks. Oh purée. On est marre. Comme par hasard, il faut qu'il, toujours qu'il soit là-bas. Lol, je m'amuse. Ouh. Allez. Oh non, oulala, oulala, oulala. On va tout de suite se calmer parce que je sens que ça va nous péter à la tronche tout à l'heure. Bon coup, je te coupe à travers, vraiment fou. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh bah d'accord. Ah, je me suis éclaté mon pote. Oh là. Allez, mange-toi. Ça se fout, ouais. Oh le bâtard! Mais vas-y toi! Oh je suis nul! Allez! Attends, je vais reculer elle. Au revoir monsieur, merci. Ciao, j'ai remis ça directement. Et voilà, c'est livré. Ça c'est fait. Donc on va voir combien qu'il me reste en gros pour que je puisse vendre. Donc là je suis à 1,5 million. Donc ensuite, on va normalement remplir là-bas. Là. Et normalement. À la fin. Hello. Oh, tais-toi, la vieille baker, la vieille meuf. Et là, oui. Une fois que c'est fait, bah c'est bon, hein, bam. Et excusez-moi aussi, hein, les gars, pour. Comment ça s'appelle, mais. Pour mon micro qui est ultra pourri. G'day. Je suis vraiment désolé, parce que bon, pour le moment, j'ai pas trop les moyens d'investir, donc du coup, bon. Donc du coup, bah, on verra déjà si ça vous plaît, et ensuite, si je vois que ça vous plaît, bah. On continuera jusqu'à temps que tout fonctionne bien comme il faut. Et puis bah j'espère que ça va être au niveau de vos attentes, que ça va être bien quoi. Enfin que ça va vous faire kiffer. Et puis voilà. Donc là si vous avez remarqué, je suis un petit peu en session solo parce que bon le problème c'est que qui se passe c'est que j'ai ma connexion. Un quoi fonctionne pas. Donc je sais pas trop ce qui se passe. J'ai appelé mon opérateur pour savoir ce qui se tramait derrière et ils ne savent pas. Ils disent, vous inquiétez pas monsieur, ça va être
On va vous régler ça. Bah oui, bah on va vous régler ça. Ça fait déjà un petit moment que j'appelle et tout. Hein. Enfin, que j'ai appelé, machin et tout. Et à la finale, bah voilà, bah ils disent non, machin. Comment ils m'ont dit la dernière fois? Oui, vous inquiétez pas, ça va être réglé d'ici le courant de la semaine prochaine. Je dis putain, mais vous en mettez du temps, quoi. Non, mais attendez, moi, c'est pas dans le courant de la semaine prochaine que j'ai besoin de ma connexion, c'est direct. Donc, bah voilà, enfin, c'est mes petites mes aventures au niveau de mon opérateur qui me casse vraiment les couilles, tout ce que vous voulez faire. C'est comme ça, c'est la vie. Donc là, bah du coup, maintenant, je vais aller vendre mon véhicule directement et bam, après, on va se faire. Oh là, le bug que j'ai eu. J'ai cru que mon personnage s'est enfoncé dans le sol. Bon, on va aller vendre mon véhicule. Allez, bam. Il est pas si beau, ce Sparrow. Ah, j'ai fait Caillou Perico justement pour l'avoir parce que laisser tomber avec le Buzard, je commençais à péter les plombs. Au moins avec le Sparrow, ce qui est bien, c'est que il va plus vite que le Buzard. Et au moins avec ça, on peut être productif, quoi. On peut être carrément productif et c'est carrément mieux parce que bon, c'est bien le Buzard parce que c'est bien pendant un temps et ensuite on s'en lasse très vite. Et là, je me dis, je me suis fait un petit plaisir. Bah, je me suis acheté le Sparrow. En plus, profitez-en, là, cette semaine, il y a plein de promotions et tout sur le Legendary Motors, enfin, surtout, quoi. Sur le Warstock, Legendary Motors, c'est tout. Donc, allez, c'est parti. Voilà. C'est vrai que mon atelier auto, il est là. Allez, on va essayer d'atterrir propre. Et bah propre. Oh purée, bon, je vais pas en tirer bien grand chose de cette bagnole là. Allez, c'est parti. Bleu ardoise, il est où le bleu ardoise? Bleu ardoise. Allez, je vais faire les autres, propre. Bon, maintenant il nous reste les roues, donc les roues, on va mettre les roues comme il dit, de sport, Diamond Cut. Il est où? Il est là. Allez, bam. Bon, une fois que c'est fait, maintenant je vais aller livrer la voiture. Ok, bon, on paye 20 000, bah, je m'en fous, j'ai les moyens, donc j'en ai rien à taper. Allez, c'est parti, on livre. Allez, c'est parti. C'est un tas de veaux la voiture, Jean-Michel. Et pourtant, je lui ai monté un turbo dessus. Hein. La gare. What? 6 bornes? Oh, les bornes de carotteur, Rockstar. Tout ça pour qu'on cartonne le véhicule et pour pas qu'on se fasse de l'argent. Bam, allez. Bonne d'enfoiré. Allez, on est bientôt arrivé. Oh là, je l'ai pas vu. Allez, on la livre. Et on fait pas de dégâts dessus. Fais regarde parce que ça, c'est vraiment une voiture. Oh là. Si on la prend mal, c'est mort. Déjà tort, j'ai failli me croquer avec là. Ça m'aurait fait tout drôle. Allez hop. Allez, c'est parti. Voilà. Oui, ça. C'est ça. Et Jean-Michel. Tiens, c'est mon personnage qui se remet à bugger. Enfin, non, ça, c'est tout dans toutes les sessions de GTA Online. Un coup, ça fonctionne, un coup, ça fonctionne pas. C'est méga galère. Allez. Donc, paiement pour la livraison, 20 000, coût de la révision. Ouais, bah, c'est ça, 40 000. Donc, en gros, ouais, je me suis fait 20 000 de plus, quoi, c'est tout.
Modifier des... Ah oui, non mais je le sais mon ami, je le sais, je suis trop fort. Bon allez, on va aller vendre un véhicule de directement comme ça. Ça, je vais vendre des milieux de gamme, parce que c'est vrai que les hauts de gamme, j'essaie d'en garder un maximum. Là, j'ai 1 million de haut de gamme, enfin 1 million de GTA dollars en haut de gamme, donc ça va. Du coup, je préfère vendre directement mes bas de gamme, ensuite mes milieux de gamme, et pour finir par le meilleur, par les hauts de gamme direct. Allez, c'est parti, on y va. Voilà. On est directement dans le machin. Oh bah alors, on va aller voir ce qu'il y a à vendre. Oula, le bug. Allez, Michel. Bon, j'ai quoi à vendre? Haut de gamme, milieu de gamme. Je vais me faire la milieu de gamme, je vais me faire tiens celle-là. Et je vais prendre, je vais payer 12 500 pour une commission de 72 500. Allez, c'est parti. Ok, let's get ready to ship. Faire une peinture dégueulasse. Chrome, allez, chrome. Chrome qui coule. Bam. Après, je m'en fous, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que j'en ai à battre. Type de roue, on va mettre des roues sport. Chromées de préférence. Oh, celles-là, ouais, ils sont pas mal. Allez. Apparence de pneus, ça c'est stylé. Allez, reste, on s'en bat les reins. Et on y va. Et comme je suis en session solo, bah forcément, je vais me taper des bottes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que j'ai une mission. Je vais m'occuper des bottes. Non, c'est un minigun, lance missile, bam. On va se reprendre dehors. Allez, c'est parti. Ils m'ont fait mal. Allez, enfoiré. C'est la pio. Là, on remonte. Attends, ce que je vais faire, c'est que... Normalement, c'est des combines qui ils devraient arriver, ces bonnes de foirées de bottes. Thank you.
Normalement, je crois que c'est 4 bots. Attends, purée, il y en a d'autres qui arrivent. Allez, là, Michel! Il est où, ce pourquoi? Mais crève, toi, Marcel! Je tue tous les bots, comme ça au moins je sais que j'aurai plus de problèmes. Bah c'est bon, on peut aller la livrer. Voilà, ça c'est dans la boîte, terminé. 72 500. Allez, bam.